Aujourd'hui, on est bien le lundi 12 novembre, donc c'est une journée qui est très chargée en sortie de disques. Je dirais qu'il y a même un plan Vigipirate, un peu tous aux abris, puisque le même jour, Johnny Hallyday et Enrico Macias sortent des nouveaux albums. Pour ceux que ça intéresse, c'est déjà en très grosse rotation dans les supermarchés. Pour les plus petites surfaces de vente, je dirais peut-être des, comme ce qu'on appelait un Félix Potin, il y a M qui sort aussi un album aujourd'hui qui s'appelle Il. Je ne vous ai pas mis le tube qui s'appelle Mojo parce que ça parlait beaucoup et vous n'auriez pas entendu ce que je dis. Mais c'est du rock, c'est de l'électronique, c'est des choses qu'il a ramassées un petit peu partout. C'est toujours intéressant d'écouter Mathieu Chédid, que ça soit sur une surface commerciale ou ailleurs. Cet après-midi, si vous apercevez une éclaircie, je vous conseille de faire un vœu, car c'est rare. Et ça sera très rare dans la journée. L'éclaircie, c'est vraiment le coup de bol, puisqu'il y a de la pluie partout, sauf du soleil en Provence et sur les Pyrénées-Orientales. Mais j'ai envie de dire que quand on est un Provençal, c'est un métier, le soleil. On maîtrise ça, on l'a comme ça quand on veut. Température cet après-midi de 8 à 21 degrés, le 21 étant en Corse. Demain matin, faites gaffe si vous circulez demain matin, mais à la limite, je vous le conseille pas, puisque maintenant, la France étant un pays en crise, il vaut mieux rester sur place et attendre que ça passe. Mais si vous circulez, il y aura des brouillards sur une bonne partie de la France. Les températures de demain matin, bon, c'est pas passionnant, c'est comme d'hab, ça passe, ça va de 0 à 14. 14, vous allez me dire où? En Corse. Bonsoir. Merci Ariel.